J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai faim en fait. J'ai la dalle. Je vous ai dit que je continuais le jeûne intermittent, mais j'ai faim en fait. Je dois attendre de manger avant. Il est 10h41, donc au fond, pour pouvoir me concentrer dans un mood. Mais each time I've wasted inside finding my identity. Oh là là, il mordit le bébé. Tu mords pas ta tati. Tu mords pas ta tati. Coucou. Non, les arbres. Viens, montre. Regardez son œil. Attends. Qui t'es calme. Non, mais il faut que c'est terrible ça. Tu es un méchant chien. Je me suis habillée en sport toute la journée, en fait dans l'espoir de faire, dans le but de faire du sport en fait ce soir. Je suis rentrée, je me suis posée sur mon lit 2 minutes, je me suis endormie. Là je viens de me réveiller, enfin, je me suis réveillée il y a genre 20 minutes. Je suis morte, je sais pas ce que j'ai. J'ai mangé au moins 10 bonbons aujourd'hui, 10, au moins, si ce n'est pas plus. Grave envie de sucre et tout, grave envie de manger n'importe quoi, fatiguée, je sais pas ce que j'ai. Mais je m'écoute, j'ai pas envie de faire du sport en fait. Là j'ai vraiment la flemme, je suis crevée. Donc du coup quand après je suis pas dégoûtée. Du coup je voulais vous montrer avant mais j'ai pas eu le temps parce que du coup je dormais. J'ai reçu ça, je sais pas si vous connaissez en fait, c'est une marque en pharmacie. Désolée pour l'unboxing en fait, je me suis assise sur la boîte. Sans faire exprès, je suis tombée parce que c'était bordel chez moi. Bref, Nike, c'est une marque de cosmétiques pour la peau. 100% naturel, enfin pas 100%, mais genre complètement naturel, quasiment. Vegan, cruelty free. Et en fait, c'est trop trop bien, c'est distribué en pharmacie. Donc, de figues de barbarie, il me semble. Oui, c'est, il me semble que c'est ça. Que des produits qui viennent d'Orient, hyper bons pour la peau. L'emballage, il est trop trop beau. Je vais tout sortir, je vais tout vous montrer. Mais je suis trop contente de tester parce que ce sont de très bons produits. Si c'est répandu en pharmacie, c'est qu'il n'y a que des bonnes compos. Et ça peut faire que du bien à ma peau. En fait, l'huile de figue de barbarie, ça vient bien vous resserrer les pores et tout. Donc ça va mettre avant la crème de jour. Et l'huile d'argan, ça va plus être pour hydrater, pour vraiment l'effet anti-âge et tout. Donc c'est pour ça que les deux ensemble, et que vous ayez la crème de jour et la crème de nuit, ça fait un parfait combo. Donc là, je viens de me laver la peau, mais je vous montre juste au soleil la texture de la crème de nuit. En fait, c'est une crème texture chantilly, c'est hyper agréable. Et dedans, du coup, j'ai mixé dans ma main de l'huile de pépin, de figue de barbe. J'ai du mal. Bon, vous avez compris, j'ai mixé avec ça pour que... en fait, c'est une huile qui est adaptée à toutes les peaux, cette huile-là. Donc, j'ai mixé les deux, en fait. Et vous allez voir, j'ai la peau trop belle. Pretty, please. I need your hands on me. Sweet relief. Pretty. Peace. Exactly where I want me. Là j'ai la peau et les cheveux, ils sont au max, genre
Vraiment, c'est trop bien. Ça sent trop bon. Je me suis mis le petit baume à lèvres comme ça. Il a bien une texture huileuse en fait. C'est... Dès que vous mettez sur les lèvres, ça devient de l'huile. Et c'est trop agréable. Surtout, genre là, l'été, je me disais, après avoir pris le soleil, ça va faire trop du bien à ma peau. Une crème de nuit, c'est toujours plus hydratant qu'une crème de jour, forcément. Mais demain, je vais tester la crème de jour et je vous dirai. J'ai un code qui est trop, trop bien. J'ai moins 20% sur les coffrets. Donc, je vous note. C'est trop bien comme produit. Franchement, je kiffe. Je vais me faire un bain d'huile, je pense, demain ou après-demain sur les cheveux. Note mon code et vous avez le lien en swipe up.